Vous êtes le client idéal pour un anti-portrait chinois. Lumière. On ne bouge pas pendant le jingle. Donc le portrait chinois, c'est si vous étiez une fleur, je serais un myosotis, etc. L'anti-portrait chinois, c'est pour ça que ça vous convient très bien. Si vous étiez un défaut. Si j'étais un défaut, la passion. Mmh. Une injure. Une bouche. Une maladie. La déception. Un accident. Tomber dans le domaine public. Une perversion. Le vice. Une guerre. La paix. Si vous étiez un vice. Une perversion. Si vous étiez une trahison. L'amitié. Si vous étiez une arme. Un cutter. Si vous étiez un supplice. Chinois. Si vous étiez une cicatrice. Le signe de croix. Si vous étiez un poison. Les médias. Si vous étiez un salaud. Encore bouche. Si vous étiez un impôt. Taxation sur l'indifférence. Si vous étiez une panne. De sens. Si vous étiez un dictateur. Mon sexe. Si vous étiez une infirmité. Ma violence. Si vous étiez un assassin. Moi-même. Si vous étiez un microbe. Le boycottus ininterruptus. Si vous étiez... Si vous étiez une plaie. Celle du couteau. Si vous étiez un fléau. Le manque d'espoir. Si vous étiez une torture. L'absence d'interview. Une humiliation. Faire partie du monde littéraire. Si vous étiez un terroriste. Jésus-Christ. Marc-Édouard Nabe, une lueur d'espoir, et c'est aux éditions du Rocher.